Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Yo-Yo du Nice Show et Rachel Lombax, monteur attitré de l'émission. Voilà, et comme vous voyez, on a quand même du beau matos. Hein. Et donc si on est ici aujourd'hui, c'est pas pour un vidéo test du tout, mais plutôt pour une vidéo d'excuse. Pourquoi c'est une vidéo d'excuse? C'est simplement parce que on a tourné la semaine dernière 14 vidéos tests. Voilà, on a tourné des gros jeux de fin d'année, Batman Arkham City, Modern Warfare 3. Comme vous avez pu le voir dans le générique de la vidéo de Battlefield 3. Malheureusement, Battlefield 3 est la seule vidéo qui a pu être sauvée de cette session Nike Show. Voilà, le gros problème, et on va vous le montrer tout de suite, c'est qu'on a eu des gros problèmes de micro, donc une pile qui dysfonctionnait et qui a fait bugger tout l'enregistrement. Voilà, alors on va vous faire écouter ça rapidement. Vas-y, lance la vidéo. Comme vous avez pu le voir, les vidéos sont quasi inutilisables. Le bourdonnement arrive pile au milieu d'une explication et c'est vraiment inutilisable. On avait eu de la chance pour Battlefield 3 justement parce que le bourdonnement arrivait dans les coupures et donc du coup on n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Ce qui se passe donc, plutôt que de vous servir ça, vous me direz c'est indigeste, évidemment c'est indigeste pour nous aussi, donc on a légèrement les goulooms quoi. Évidemment, nous on est tout aussi frustrés que vous parce qu'on voulait vous montrer les vidéos tests qu'on avait tournées ce week-end. On voulait vous les montrer le plus rapidement possible et aussitôt que possible, donc on a déjà prévu Uncharted 3, etc. Sauf que bien évidemment, on n'a aucune autre alternative si ce n'est que de mettre des sous-titres, et les sous-titres c'est vraiment pas optimal pour un vidéo test. Il y a déjà la vidéo, nos têtes en dessous, et en plus regarder les sous-titres, c'est pas concevable. Et en plus le son est carrément, c'est chiant quoi, entendre. Plutôt que de vous servir ça, nous, vous nous voyez frustrés parce que le Nice Show, on fait ça sur notre temps libre. C'est un très très bon moment passé ce week-end avec les autres, ils en conviendront aussi. Et aussi, c'est du travail qu'on a passé déjà à préparer les jeux, préparer les tests, etc. Et donc, évidemment, c'est une grosse déception. Mais au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de retourner les vidéos tests qu'on a enregistrées le week-end dernier. Pour vous, l'attente sera encore un petit peu plus longue parce que les vidéos tests refaits vont arriver en début d'année prochaine. Donc voilà. C'est pas non plus catastrophique. C'est juste pour nous, c'est méga frustrant quoi. Surtout que pendant les sessions, faut quand même qu'on se réunisse tous, ça coûte de l'argent. Parce que tout le monde n'habite pas sur Paris et donc évidemment on va refaire évidemment une session. Malheureusement, pendant celle-ci, je serai absent moi. Donc toutes les vidéos sur lesquelles j'étais, finalement je serai pas dessus. Hein. C'est frustrant pour nous, pour moi, pour l'équipe aussi, parce que finalement se retrouver encore, c'est génial. Mais se retrouver pour refaire des vidéos qu'on a déjà faites, c'est un petit peu blasant. Quoi. Mais encore une fois, c'est qu'un petit mois à attendre, on a des vidéos de toute façon toujours à vous proposer, il n'y a pas de problème. Donc évidemment l'année prochaine le Nesho reviendra plus fort avec de nouveaux jeux, donc c'est-à-dire Assassin's Creed et Skyrim, etc. Donc, voilà. Donc à la fois avec des nouveaux vidéos tests, mais aussi avec une rétrospective qui va évidemment plaire à beaucoup d'entre vous, donc ça on le sait déjà. Et donc évidemment, on voudra juste en profiter pour vous remercier parce que vous êtes maintenant 600 abonnés à nous suivre régulièrement. Voilà. Et ça nous fait vraiment très chaud au cœur de savoir que notre émission plaît à beaucoup de personnes. Voilà. Le travail investi et... Donc, on se retrouvera bien sûr mercredi prochain pour un nouveau vidéo test. Mais pas de jeu récent. Et pas de jeu récent, bien sûr. Donc évidemment, nous sommes tout aussi déçus que vous parce qu'on voulait vraiment vous apporter ces vidéo tests le plus rapidement possible. Et Noël, pour les choix de cadeaux, vraiment, on est conscient qu'on ne vous aiderait pas à choisir tel ou tel jeu, quoi. Mais apportez notre avis sur la chose avant Noël. Peut-être pour une décision ultime, qui sait. Mais finalement, ce ne sera pas le cas, donc vraiment désolé, quoi. Merci.